Installez-vous bien, que le spectacle commence! Franchement, on va pas se mentir, c'est toujours aussi magnifique. Et bonjour les potos et les potesses, j'espère que vous allez bien, c'est Marcus. Et bienvenue pour une petite vidéo spéciale anniversaire, les 10 ans de Forza Motorsport 5 sur Series X. Ou, voilà, ça y est, on n'est pas vraiment à 10 ans, hein. Attention, je vous ai un peu menti. Là, le jeu, il est à 9 ans et 11 mois. Parce qu'officiellement, il est sorti le 22 novembre 2013 sur One. Et uniquement sur One. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de sortie simultanée sur PC comme ce qu'on peut avoir maintenant. Et d'ailleurs, je sais pas, vous les amis, vous qui avez vécu la sortie des One, de la PS4 et de la One... Qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce que vous étiez parti sur PS4? Ou est-ce que vous étiez parti sur One? Ou encore mieux, est-ce que vous étiez pété de thunes et vous aviez acheté les deux consoles en même temps? Moi, personnellement, j'ai acheté la One. Pourquoi? Déjà parce qu'il y avait Rise Son of Rome, qui, même s'il a un gameplay ultra limité... l'aventure et le graphisme est génial. On avait Dead Rising 3 qui graphiquement n'était pas une tuerie. Mais par contre, des zombies, il y en avait à la pelle et c'était putain de trippant. Et on avait Forza Motorsport 5, la vitrine, le jeu de course au graphisme sublime avec un moteur conçu pour la nouvelle console de Microsoft. Avec un jeu qui tournait et qui tourne toujours en 1080-60, qui n'était pas perfect, vraiment, hein, je le dis et je le confirme, je maintiens ce que je dis. Le jeu, là, 10 ans plus tard, moi, je le trouve toujours aussi joli. Il était magnifique à l'époque, hein, quand il était sorti, mais il n'était pas dénué de défauts d'ordre technique. C'est-à-dire que, bon, il avait un peu d'aliasing, il y avait un peu de scintillement, mais... Au global, sur la partie graphique, c'était tip-top. Après, au niveau du contenu... Ouais, c'était pas la folie. Hein. Le contenu était assez limité. Je vais pas dire rachitique, mais... Il y avait pas beaucoup de circuits, il y avait pas beaucoup de bagnoles. Ils avaient introduit les microtransactions. Donc bon... Donc là... C'est un jeu en 2023 qui est introuvable sur le Microsoft Store. Si vous voulez y jouer, il faut acheter la version boîte. Moi, je l'avais acheté Day One. Et c'est pour ça d'ailleurs que je peux vous faire cette VOD. Ben oui, les 10 ans, les 10 ans, ça se fête. Enfin, je sais pas si vous avez un Bezo et qu'il a 10 ans.
Bah vous faites un anniversaire. Bah moi c'est pareil. Sauf que ça me coûte rien. Donc là, le multijoueur, il est totalement abandonné, hein. Il n'y a plus rien, hein. Forcément, vu que le jeu n'est plus vendable, enfin, il ne se vend plus sur le store, voilà, ça c'est capoute. Pareil, hein, si tu vas dans le centre message, il n'y a que dalle. Voilà, et les serveurs, c'est day set day. On va commencer, les amis, hein, tranquillou pépouze, déjà, par faire un peu de jeu libre. On va faire que du jeu libre, on va pas faire de carrière, hein. Par contre, je peux vous montrer les circuits. Donc, il y en a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Il y a 17 circuits. Est-ce qu'il y avait eu des circuits en DLC? Je ne sais pas. En tout cas, je sais que dans Forza Motorsport 8, celui qui est sorti là hier, le circuit Top Gear, il n'y est pas. Le circuit à Prague, celui-là, il n'y est pas. Catalunya, est-ce qu'il y est? Je ne sais pas. Yas Marina, non, il n'y est pas. Les 24 heures du Mans, est-ce qu'il y est? Je ne sais pas. Prague, il n'y est pas. Enfin, c'est vrai que moi, je fais un parallèle entre FM5 et FM8 dans le sens où ça sort. Et graphiquement, ok, c'est du béton. Mais au niveau du contenu... Mais, parce que je vous le rappelle, hein, après on, voilà, j'arrête de digresser, mais FM8, c'est 20 circuits. Hein. FM7, en 2017, c'était 30 circuits. Bref, tiens, d'ailleurs en parlant de ça, vu qu'on est là-dessus, on va prendre ce circuit en Australie, pareil, hein, qui n'est pas dans FM8. C'est pour ça, autant montrer des circuits qui ne sont pas dans le dernier né de la licence FM. Ce sont des courses qui n'ont pas de cycle météo. Dans ce jeu, hein, au global, il n'y a pas de cycle météo. Il n'y a pas de temps réel. Il n'y a pas de course de nuit. Et il n'y a pas de qualif. Vraiment, c'est du strict limité. J'avais déjà à moitié paramétré tout ça. Donc ouais, vas-y, moi je vais partir sur ça. Non. Qu'est-ce que j'ai fait? Non, c'est good. Commencez la course. Donc vous allez voir, hein. Franchement, personnellement, moi je dis que tu fous une résolution, 4K sur ce jeu, et il passerait crème. Là, quand tu le compares à FM6 ou FM7, il a à peine vieilli. Commencez. Donc là, on voit un peu, ouais, de l'aliasing ici et là, mais dites-vous qu'il est en 1080. Il n'est pas en 4K. Il n'est pas en 2K. Donc là, on a... Alors, attends, comment ça se joue, là? Tac, on a la vue capot, la vue phare, la vue troisième personne. La troisième personne éloignée! Yep, là. Et la vue cockpit. Ben voilà, on commence bien. Hein, on commence très très bien. Je sais pas comment ça se passe. Est-ce que avant FM5 il y avait du rewind? Est-ce que quelqu'un le sait? Est-ce que dans FM4 il y avait du rewind? Quand je dis du rewind, c'est du rembobinage. Est-ce que c'était là? Tiens, là je vois qu'il y a toujours les petits reflets. Wow! Oh putain, faut que je me réhabitue au gameplay, hein. Hier, on a fait quasiment 4 heures de FM8. Là, quand tu bascules sur ce jeu, ça change à mort. Mais ouais, on a toujours ces reflets du volant et des gants là sur le pare-brise. L'effet est vraiment bien fichu. Là, l'objectif, hein, de la VOD, c'est pas de vous proposer un gameplay du feu de Dieu. Hein. Le but... c'est de vous montrer un petit peu à quoi il ressemble, hein, en 2023. Si vous avez envie de faire un petit comparo par rapport aux jeux de course, hein, qui sont sortis ces dernières années. Et puis vous qui avez joué, donnez-moi vos impressions sur votre expérience de FM5. Est-ce que vous l'aviez trouvé excellent? Est-ce que... vous l'aviez poncé? Est-ce que ça vous arrive d'y jouer de temps en temps encore en 2023? Vraiment, donnez-moi vos avis par rapport à tout ça.
Moi, clairement, je vous le dis, hein, moi, j'y avais beaucoup, beaucoup joué. Parce qu'encore une fois, il était tellement beau et le gameplay était tellement appréciable que j'avais enchaîné les courses, la carrière. Ouais, je sais pas si je l'avais poncé, hein, mais ouais, j'y avais bien joué. Alors, attention, j'essaie de passer. Mattez-moi ça, regardez-moi ça! Non mais les effets de lumière. Et putain de bordel de merde! Alors, voilà, je le dis de suite. Les effets de lumière sont mieux faits que dans FM8. Regardez-moi ça! Moi, c'est ce qui m'a un peu sidéré là tout à l'heure quand j'ai réinstallé le jeu et que j'ai lancé une course. C'est déjà. Bah, d'admettre que graphiquement. Ouais, il a encore la chopée. Et que les effets de lumière étaient toujours aussi magnifiques. Moi, mais c'est ça que je veux, moi. Ouais, rendez-moi, je sais pas, moi, faites un portage de FM8 avec le moteur graphique de FM5. Même le gameplay, là, tu vois, le gameplay, je le préfère au gameplay de FM8. Peut-être que le gameplay est moins simu entre guillemets que FM8, mais ça je m'en open. Moi c'est le plaisir manette en main que je veux, et là tout de suite je le trouve plus accessible. Et franchement ça fait trop du bien. Wow, ça fait vraiment trop du bien que de revenir comme ça sur de vieux jeux, surtout quand ils ont aussi bien vieilli, et de les comparer à des jeux de maintenant. Et de voir un petit peu l'évolution sur, bah, là, notamment 10 ans. Je vous le rappelle, hein, FM... donc FM5... non, oui, FM5 2013, FM6 2015, FM7 2017 et FM8 2023. Hein. Il aura fallu 6 ans pour pondre FM8, alors qu'auparavant, il fallait 2 ans pour bah, pondre un nouvel opus. Donc je sais que dans FM8, il a fallu refaire le moteur graphique, introduire le ray tracing et tout, mais je sais pas, je suis assez mitigé là. Je l'apprécie bien, mais je sens qu'on s'est foutu un peu de notre gueule. Non mais vraiment, les effets de lumière, moi je vais y revenir, hein, là, les effets de lumière. Je sais pas, ouais, je crois que ce sont des effets de lumière volumétriques. Ça rend mais tellement bien. C'est une espèce d'effet de lumière assez clinquant. Avec un soleil vraiment qui t'éblouit la rétine. Tiens, au niveau du gameplay là, parce que bah voilà, je vous donne mes impressions en temps réel. Faut vraiment pas matraquer la gâchette. Matraquer, rester appuyé dessus quand tu freines. Faut y aller tout doucement parce que si tu appuies comme un forcené sur la gâchette de frein, tu bloques les roues et là, tu pars tout droit mon gars. Donc là, je suis arrivé 3ème, ça va, je me suis plutôt bien démerdé. Hop, on va passer. Donc là, en fait, ce qu'il faut faire quand tu freines, c'est presser légèrement la gâchette. Et bien sûr, petite nouveauté de ce FM5 lorsqu'il était sorti sur One, c'était les vibrations dans les gâchettes. Et ça, ça rendait trop bien, et ça rend toujours aussi bien. Après, je vous avouerai que je suis très très pressé d'arriver à 2024 pour tester la manette Xbox avec la technologie haptique. Comme ce qu'on a dans la DualSense de la PS5. Ce sera vraiment top. J'espère vraiment qu'ils vont gérer tout ça. Donc là, on va partir sur une autre piste. Je sais pas moi, on va partir sur ça. On va prendre quoi comme voiture ? Donc là, sélection voiture, je vais vous montrer un petit peu vite fait ce que j'ai. Voilà, j'avais pas acheté masse de voitures, hein. Moi j'étais... et je suis toujours quelqu'un qui me satisfait que de rares voitures, au pluriel. Voilà, je prenais une voiture pour la totalité d'un championnat, voire même plusieurs autres championnats. Je sais pas si on va prendre... La petite Ruff, parce que oui, en 2013, il n'y avait pas la possibilité d'avoir des Porsche. Donc on prenait Ruff. Maintenant, je crois que c'est good. Oui, c'est good. Commencez la course. Donc là, pour vous
qui m'a regardé, ouais, ça doit vous faire bizarre de vous dire que ouais, on a un jeu de course sans météo, sans cycle jour-nuit. Bon, les qualifs, on s'en fout un peu. Moi, ouais, je me suis habitué quand même à voir une météo. Surtout dans les derniers FM, hein, on avait une météo évolutive, hein, une météo qui changeait au fur et à mesure de la course. Je me mets en vue cockpit, hein, parce que la vue cockpit, c'est la meilleure, c'est celle qui offre de meilleures sensations. Et surtout, voilà, ça vous permet, de, encore une fois, de faire le comparo avec le dernier FM. Là, au niveau des reflets sur le pare-brise, hein, on est sur quelque chose de très similaire. Hein. Doucement. Oh, j'ai failli te foncer dessus, mon gars. J'aurais pu te foncer dessus. Mais non. Non, on va se la jouer, grand prince. Ah, mais avance quand même. C'est pas parce que je t'ai dit que j'allais pas te rentrer dedans que je vais vraiment pas te rentrer dedans, hein. Allez, je vais te suivre. Je vais te suivre histoire d'avoir un peu de challenge. Parce que si je passe devant, après, je vais rouler tout seul pendant toute la course. Mettez-moi ça, là. Regardez-moi ça. Oh là 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 là. Mais je veux, moi j'adore ces effets de lumière. Vous savez, je suis un petit peu un kiki graphique, hein, surtout sur les effets de lumière. Mais là, regardez, on a même la lumière projetée là de la voiture. L'ombre projetée dans la lumière, enfin bref. Mec, t'avances ou t'avances? Là, on traîne du cul, hein. Je sais pas, c'était quoi la difficulté là que j'avais mis il y a 10 ans, mais... Faudrait peut-être la rehausser, hein. Doucement, doucement, doucement. Là, pareil, tu vois, je fais des petits à-coups. Là, matez-moi ça. Regardez, regardez. Oh là 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 là. Bon, tu me fais chier. Tu me fais chier. On regardera un petit peu après dans les options ce que j'ai pris au niveau des drivatars. Parce que ça aussi, hein, c'était la nouveauté de ce FM5, l'arrivée des drivatars. Vous savez un petit peu ce que c'est, hein, cette IA qui reprend un peu ce que font les vrais joueurs et s'en inspire. C'est comme une IA, ouais, qui évolue au fur et à mesure, si je puis dire. Hein. Peut-être que le mot évoluer est un peu trop fort. Mais en tout cas, c'est une IA un peu plus performante que les IA traditionnelles. Et autre chose, alors je sais pas si ça avait été introduit dans ce FM5 ou pas, t'avais le mode Forza Vista. Le mode Forza Vista qui était un mode de jeu, mais oui c'est ça, qui permettait de voir des voitures, mais vraiment avec une définition, avec des reflets de toute beauté. Ça y était pas, est-ce qu'il y avait du Forza Vista dans Forza Horizon, le premier? Je ne sais plus. Mais en tout cas, il y en avait sur le 2 de mémoire. Parce que le 2, hein, Forza Horizon 2, il était sorti en 2014, un an après ce FM5. Doucement, mais mince! C'est un truc de ouf, vous avez vu ça un peu? Nom de Dieu! Allez, on continue. Mais ouais, du coup, ouais, introduction des drivatars. Et c'était plutôt bien fichu, hein. Là, forcément, là, 10 ans plus tard, les drivatars sont encore mieux fichus, même si... Bon, ça dépend un peu. Hier, on a fait du FM8, hein, comme je l'ai dit en live. Et des fois, t'as des drivatars qui prennent un peu trop la confiance et qui se mettent à faire les fifous. Ou alors, t'as des drivatars voilà, qui se disent, tiens, et si je faisais vraiment la course tout seul? Mais tout seul, hein, genre, vas-y, je prends 3 km d'avance... Je vis ma vie et vous, vous me suivez derrière. Ça m'est arrivé qu'il y avait un drivatar, comme ça, même plusieurs fois. Hein. Le drivatar qui se sent plus pissé et qui, je sais pas, on dirait qu'il a un moteur de 300 chevaux de plus que le tien et que tous les autres véhicules de la course. Et voilà, il part devant et toi, pour le rattraper, bah bouge ouverte. Hein. Attends, je vais essayer un truc. Là, on va ralentir. Je veux juste bien vous montrer voilà, les effets de lumière, les ombres projetées. C'est vraiment du très très bon boulot. Et je crois que ces effets de lumière volumétrique, ce genre de rendu de lumière,
avait disparu dès FM6. Dès 2015, moi, personnellement, je me rappelle encore ma déception sur le fait de ne plus retrouver ces effets de lumière. Ça, c'était peut-être parce qu'il y avait eu l'arrivée du cycle météo, enfin du cycle jour-nuit et de la météo. Va savoir. Je me demande si le cycle météo et jour-nuit n'est... Non, c'était... il n'y avait peut-être pas du jour-nuit en temps réel, mais je crois qu'il y avait des courses qui étaient à faire avec de la pluie et sans la pluie. C'était pas encore comme dans FM7, où là, oui, t'avais la météo qui changeait en temps réel. Je pense que dans FM6, il fallait choisir la météo. Alors, pareil, si vous avez une meilleure mémoire que moi et que vous avez la réponse, bah, dites-le moi. De toute façon, hein, dans 2 ans, en 2025, si je suis encore sur YouTube, bah, je vous ferai une petite vidéo spéciale anniversaire pour FM6. Mais là, on n'est pas là pour parler de FM6, on est là pour parler de FM5. Là, on peut voir également, oh là là, la carrosserie qui a bien dégusté, mais pas que, hein, les jantes aussi. Il y a plein de petits impacts. C'est vraiment bien fait. Hein. Donc là, on n'a plus qu'à attendre. Voilà, prends bien ton temps. Niveau pilote, 95. Pas mal. Alors, je sais pas combien de temps ça m'a pris d'arriver jusque-là, mais continuez. Continuez, qu'est-ce qu'on va faire? Tiens, on va faire un circuit qui, voilà, encore une fois, n'est pas présent dans FM8. Pas encore, en tout cas. On va prendre... Le Mans, je pense. Non, pas le Mans. Ouais, on va prendre toi. Nürburgring. Et peut-être, voir pour le Top Gear. Nürburgring. Donc ça, c'est un circuit qui est archi long, voilà. 26 km. Hein, j'arrondis, hein. 25,99 km. Tac, un tour, fort heureusement. Sélection voiture. On a pris une Porsche, là. Tout à l'heure, on a pris... Cette Ferrari, je voudrais bien... Tiens, je vais prendre une Mustang. Toi, là. Toi, tu me plais bien. 1969. Difficulté, tac. Alors, comment ça se passe? Alors, ça, j'y touche pas. Moi... Merde, j'ai fait une connerie. Non, mince, ça c'est auto. Non, superficiel. Contrôle, oui. Voilà. Direction normale. Freinage seulement. Je suis à 15. Peut-être que j'ai mal fait par rapport à tout à l'heure, on s'en fout. Mais c'est où Là, on a les réglages. Non, c'est pas ça. Option de jeu. Où c'est les drivatars? Ah, on peut avoir 15 drivatars maximum. Et là, je peux mettre habile. J'étais en moyen. Donc là, t'as pilote débutant, inexpérimenté, moyen, habile, très doué, expert, pro, imbattable. Putain, ah ouais, il y avait vraiment masse de difficultés. Hein. Bah attends, mais attends. Est-ce que ce serait pas comme effet mute? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, d'accord. Parce qu'en fait, dans effet mute... T'as 8 levels de difficulté pour les drivatars. Et en fait, ça correspond à ça. Pour ceux qui auraient vu ma découverte, ou même le stream de FM8, pilote débutant, c'est 1. Expérimenté, 2, etc. Moi, je jouais... Alors, attends. Là, c'est 1, 2, 3, 4. Donc, au début, dans la découverte, je joue en habile. Et là, dans le stream, hier, on a haussé la difficulté, je joue en très doué. Tour 1, mais là on va jouer en habile, pas déconner. Donc là, accepter. Et commencer la course. N'empêche, 15 sur un circuit comme ça. Parce que de mémoire, le circuit il est pas hyper large, hein, quoique. Je sais plus tellement à quoi il ressemble. On va voir ça. Commencer. Au niveau de la grille, je suis où? Je ne sais pas. Ça va se savoir. Et pareil, là, tout comme dans FM8, laissez-moi vos impressions vis-à-vis des sous-moteurs.
ce que vous en pensez. Mais vraiment, pour ceux qui savent, hein, pour ceux qui s'y connaissent, hein, ou même pour vous, hein, tu me diras, même des gens qui, comme moi, n'ont pas tellement d'affinité par rapport à cet aspect-là, si vous trouvez que c'est plutôt bien fait ou pas, quoi. Hey, merde. Bon, là, clairement, on va essayer de prendre la première place le plus rapidement possible. Parce que sinon, on va se faire chier. J'ai même pas fait gaffe, ouais, qu'il y avait des 4x4. Punaise. Ah, mais vous avancez pas avec vos poubelles. Et voilà, le premier, lui, il va avancer. Voilà, il a les coudées franches. Je peux demander un peu. Comment, je sais plus c'est quoi l'expression. Bref, il est tranquille là, il peut avancer à son rythme. Il peut se permettre de nous distancer parce que nous, en tout cas moi, je me fais chier avec ces drivatars qui n'avancent pas. Là, tu vois peut-être que la difficulté très douée serait plus désirable pour avoir plus de challenge. Ce que vous allez voir là, regardez, regardez, regardez. Moi je les rattrape. Enfin, je les rattrape, mais je suis pas plus rapide qu'eux. Hein. C'est juste dans les virages que je vais réussir à gagner de la place. Hein. C'est que comme ça que je vais les rattraper rapidos. Freine. Doucement. Ok. Go, 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 go. On passe le pas copain. Et voilà. Dépassement correct. Bon, c'était pas... Oui, c'était pas le perfect, mais... je m'attendais à mieux. Et au moins, le truc... C'est ça aussi que je me dis. Quand tu joues à ce jeu... Vu que t'as que du beau temps, bah il y a un petit côté agréable. Hein, tu te tapes pas des courses sous la flotte avec une route totalement glissante. Là, les pneus agrippent bien. T'as le soleil qui est au beau fixe. Les couleurs sont vraiment pétillantes. Contrairement à FM8. Qui lui a vraiment des couleurs bien plus ternes. Et ça c'est quelque chose hein, qui est beaucoup ressorti sur ma VOD, même sur mon stream. Des couleurs un peu délavées. Alors je sais pas d'où ça peut venir. Hein. Est-ce que c'est pas un problème à cause de leur nouveau système d'implémentation de lumière? Est-ce que c'est pas à cause du ray tracing? Est-ce que c'est un bug? Est-ce que c'est une volonté intentionnelle du studio de faire un jeu un peu plus, entre guillemets, réaliste. Hein. Vous vous rappelez un peu de cette époque-là, il y a 10-15 ans, où on faisait des jeux réalistes, mais qui du coup étaient très grisâtres, très marron chiasse. C'était pas une époque glorieuse hein, pour les couleurs. Là, maintenant, c'est beaucoup mieux. Là, vous avez vu ce circuit? Il est cool. On va en bouffer pendant un petit moment. Hein. Parce qu'on est 26 km avec une Mustang de 69, forcément ça va prendre plus longtemps que si j'avais pris une Formule 1. D'ailleurs je crois qu'il y a une Formule 1, non? J'ai pas fait gaffe tout à l'heure dans la sélection de voitures. Et après je pourrais vous montrer vite fait, enfin, faut que je m'en rappelle, hop 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 hop. Le garage, pas le garage mais le système Forza Vista du jeu, mais également... le système d'achat des véhicules. Histoire de, ouais, de vous montrer un maximum de choses. Hein, parce que bon, des vidéos de FM5, hein, vous vous doutez bien que je vais pas en faire 10 000 milliards. Hein. Là, je fais une vidéo d'anniversaire. Hein, c'est pas de mal la veille que vous aurez une vidéo de ce jeu. Sauf si vous êtes un milliard de personnes à me le demander dans les commentaires. Mais j'y crois pas. Merde. Hop là. Après, moi, je formule l'idée de, éventuellement, si vous êtes chaud, hein, pourquoi pas, vous montrer un peu ce que donne la carrière dans ce FM5.
Mais là, je ne fais que de soulever une idée. Hein. Après, à vous de la prendre, cette idée, et de me l'imposer dans les commentaires. Ok. Je sais pas pour vous. Alors, tiens, question pour du pognon. Pour vous, à votre avis, est-ce que vous préférez avoir du ray tracing et avoir du FM8 en termes de lumière et de couleur? Ou est-ce que vous préférez ne pas avoir de ray tracing et avoir des effets de lumière et des couleurs comme dans ce FM5? Attention, au niveau de la lumière, votre préférence, FM8 ou FM5? Soyez franc avec vous-même. Hein. N'essayez pas d'abonder dans mon sens parce que c'est moi ou... Non, bref. Voilà. Dites-moi votre avis à vous. C'est ce que je vous dis à chaque fois. Hein. N'essayez pas de me caresser dans le bon sens du poil. N'essayez pas de... à tout prix de faire copain-copain. Même, voilà. Même si vous n'êtes pas d'accord avec moi, il n'y a pas de souci. Hein. J'ai vu quelqu'un l'autre jour qui disait « Ouais... T'as supprimé mon message parce que je disais à l'encontre de toi. » Alors j'ai dit non, j'ai rien supprimé, c'est juste que ton message tu l'as pas envoyé, t'as dû te gourer. Il a mis son message, je l'ai pas supprimé. C'est pas parce que vous avez un avis contraire du mien que je vais vous bannir, que je vais supprimer votre message, que je vais plus vous adresser la parole. Mais des fois t'as des gens qui me laissent des avis opposés aux miens, mais en étant très vindicatif, hein, en étant insultant. Ça non, ça oui, forcément, ça je banne, supprime. Mais si c'est un avis contraire du mien, mais qui est hyper bien formulé et dans le respect, il n'y a pas de souci. Hein. Faut pas avoir peur d'écrire des messages. Hein. On se fait pas bannir en écrivant un message sur ma chaîne, sauf si manque de respect, insulte. Mais bon, ça c'est un peu le cas de tout le monde. Hein. Quand tu parles à quelqu'un, tu veux qu'il te parle avec respect. Pas qu'il te parle comme si t'étais une merde. Bref, voilà, je referme l'aparté. Donc voilà, j'espère que vous serez nombreux et nombreuses à me lâcher vos avis par rapport à tout ça. Alors attends, t'as le soleil qui m'éblouit tellement que du coup je vois même pas la couleur de la trajectoire là au niveau de la route. Là, je sais même pas quelle portion de circuit on a fait. Non, on a aucune indication. Ça, ça aurait été bien de l'avoir. Tu sais, genre, tu as fait 50% de l'épreuve. Tiens, t'es à 56 maintenant. Là, t'es à 62, etc., etc. Là, non. Là, t'as que dalle. Bon, après, c'est pas un mal, hein, attention. Je dis pas que c'est de la merde, mais... C'est un petit confort supplémentaire. Allez, on tourne. Moi, je suis content quand même. Parce que bon, c'est vrai que des jeux de course, hein, j'en fais pas beaucoup sur la chaîne. Bon, là, en ce moment, oui. Parce qu'il y a eu, début septembre, le très bon The Crew Motorsport. Que là, début octobre, on a le très bon FM8. Mais même si moi je le trouve très bon ce FM8, ça n'empêche pas que j'ai quand même des griefs contre lui. Moi je voudrais vraiment qu'il y ait des aspects de ce FM5 dans FM8. Notamment les lumières. Et la colorimétrie. Et le gameplay. J'aime bien le gameplay, franchement il est cool le gameplay. Hein. Là, en plus de ça, vous avez vu un petit peu ce qu'il en est au niveau de mes paramètres. Donc, à partir de là, voilà. Vous voyez un petit peu... Je sais pas, aussi, j'ai mis pas mal d'assistana, mais moi, je suis pas là pour me prendre la tête. Hein. Encore une fois, c'est ce que je disais hier en stream. Moi, je joue avec une manette, en automatique. Parce que, je joue à la manette. Si je veux jouer en manuel, j'achète un volant. Si je veux désactiver les aides, je joue avec un volant. Tu vois, l'expérience de jeu n'est pas la même. Hein, si t'es vraiment à fond dans le sport automobile, tu t'achètes un volant, et là, oui, là, clairement, tu fais ton petit truc à toi,
t'installes ton volant, t'installes ton pédalier, ta boîte de vitesse et tout, et là tu joues en manuel et en désactivant les aides. Mais à la manette, moi, personnellement, je ne suis pas pour me prendre la tête quand je joue à un jeu. Moi, j'essaie de trouver le bon compromis entre challenge et nos prises de tête. Et une fois que j'ai trouvé, j'y touche plus. Après, si au fur et à mesure de l'avancement dans la carrière, je vois que l'IA, que les drive avatar deviennent un peu plus faciles, peut-être parce que voilà, je gagne en skill, là, je rehausse un peu la difficulté des drive avatar. Mais je ne touche jamais, généralement, je ne touche jamais aux Z. Je change la difficulté des IA, mais pas des Z. Tiens, on va changer un peu. Voilà, la vue. Comme ça, vous avez l'impression. Putain, là, les dégâts, c'est bien, bien enfoncé à l'arrière. Vous avez l'impression de vitesse. Là, on est à 222. La vue phare. Je vais répéter ce que j'ai déjà dit, hein, mais la vue capot, la vue phare et la vue cockpit, ce sont les trois meilleures vues du jeu. En termes de sensation, en termes d'immersion. L'immersion, la vue cockpit, l'impression de vitesse, la vue capot ou la vue phare. Je crois que pour l'impression de vitesse, je crois qu'on peut pas avoir mieux que la vue phare. Plus de ça avec la vue phare, mais quand t'as personne devant toi, t'as le champ libre, hein. Tu vois parfaitement bien ce qu'il y a devant toi. Et victoire! 11 minutes 53, il y avait déjà, hein, vous savez, ces tours que tu fais en le faisant parfaitement bien et les courses que tu fais, que tu finis, mais où t'as fait du hors-piste et du coup t'as un petit panneau devant ton chrono. Et là, voilà, j'ai fait un peu de hors-piste, hein. C'est dommage. Comment ça se passe là? Ouais, t'as vu, il y a plusieurs bonus. Les drive-avatar, les aides à la conduite, etc., etc. Ah, je l'ai bien piloté, la Mustang, niveau 23. D'accord. Donc là, on va continuer. Ce que je vous avais dit tout à l'heure, c'est qu'on irait voir le Forza Vista. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va quitter ça. On va aller dans Gallery Forza. Ce menu permet de visionner les photos sauvegardées. D'accord. Et ça, c'est une photo. C'est une photo qui a été faite le 8 septembre 2014. Charger fichier. Et voilà, ça donnait ça. Et coïncidence, c'était une Ford. Une autre Mustang, bien plus récente. Et là, je crois, je me demande si c'est pas le circuit de Top Gear, non? Peut-être pas. Parce que dans Top Gear, on passe pas par des hangars. C'est peut-être l'avant-dernier circuit. S'en fiche. Donc là, comment ça se passe? Le marché. Pack de voitures. Donc là, tu vois, t'as vraiment... Ah bah tiens, là, tu les vois, les voitures. Mais je crois qu'on peut plus les DL. Bref, ça, on s'en fout. Passe voiture. Multijoueur. Comment on fait pour aller... Forza TV. Non, mais c'est pas ça. Jeu libre. Comment je fais... Alors, si je vais dans voiture... Là, on va prendre une belle voiture de préférence. Qui sujet de bien, moi, en fait. Ah, tu vois, là, on a une petite Spark. C'est pas une voiture électrique, ça? Tiens, on va prendre celle-là. Donc là, comment ça se passe? Si je fais ça. Ah, merde, c'est DLC. Merde, fais chier, mais quel con. Je sais pas, moi, du coup, on va prendre quoi, là? Tiens, toi, Lamborghini. Est-ce qu'il n'y a pas un mode Forza Vista? Non, j'ai pas l'impression. Il est où le mode Forza Vista? C'est pas Forza TV? Non, c'est pas ça. Mais où c'est qu'on achète nos voitures déjà? Carrière? Marché? Régler, améliorer? Peindre voiture? L'atelier
atelier de peinture vous permet de dessiner et créer des livrets pour votre voiture. Vous pouvez aussi travailler sur tous les modèles et partager vos œuvres avec la communauté. Je n'avais jamais fait ça. Ben non, c'est bizarre. Mes créations. Je n'avais rien fait, moi. Ouais, non. Non, ce n'est pas là. Serais-je aveugle? Régler, améliorer. Si je vais dans carrière. Peut-être que c'est là, non? Oh là 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 là, mais vous avez vu ça un peu? Comment ça claque? Tiens, Forza Vista! Que de mal. Donc là, Forza Vista, schlack. Et là, tu vois, on peut tourner tout autour. Voir les reflets et tout. Là, c'est de l'aluminium brossé, j'ai l'impression. Là, on a quoi? Ah oui, c'est pas une multitude d'angles de caméra là pour nous montrer la voiture sur tous les angles. Donc ouais. D'accord, ok. Ah! Ça, je me demande si ça y est toujours dans FM8. J'ai comme un doute. Ok, on a que ça. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose? Tiens, là. Matez-moi ça. Regardez-moi cette beauté. Voilà, ça c'est vraiment pour les amoureux de la belle carrosserie. Et ça, tu l'as sur tous les véhicules. Hein. J'aime bien la petite livrée que j'avais pris. La voiture en elle-même, elle est magnifique. Mais avec cette livrée-là... Et là, je vois qu'il y a autre chose. La prestigieuse histoire de Lamborghini a commencé par une dispute. Ferruccio Lamborghini est propriétaire d'une entreprise de tracteurs prospère en Italie. Un jour, il réclame des pièces de meilleure qualité pour sa Ferrari et le fondateur du constructeur, Enzo Ferrari, le vexe en le traitant de simple mécanicien agricole. Fou de rage, Lamborghini se met en tête de fabriquer une machine supérieure au Ferrari. Ces modèles sont célèbres pour leur style flamboyant, tout en angle aigu, ailes massives et pare-brise inclinée. L'innovation la plus emblématique de Lamborghini restera cependant les portes à ouverture verticale de la Lamborghini Countach. Conçue à la base pour des questions pratiques en stationnement, ces portières sont devenues une marque de fabrique et équipent tous les modèles phares du constructeur. Grâce aux fans de tuning qui tentent de s'approprier une part du rêve Lamborghini, on peut trouver des portes papillons modifiées aussi bien sur des pick-up que sur des Honda Civic. Là, tu vois ça? Ça, est-ce que tu l'as dans FM8? Je ne crois pas. Déjà là, en 40 minutes, personnellement, j'ai l'impression de plus de passion automobile, plus de passion, plus d'amour, une ambiance plus chaude que ce qu'on a dans FM8. Et ça, c'est très très perturbant. Parce que tu sens que, ok, graphiquement, ça évolue, mais le reste, ça régresse. Dans GT7, même si... voilà. Attention, pas de guerre. Moi, je préfère Forza Motorsport à GT7. Parce que le gameplay de GT7, je trouve pas kiffant, il y a des trucs qui ne vont pas... Enfin bref, mais par contre, au niveau de la présentation, ça respire la passion automobile. C'est un hymne à la course automobile. Dans FM8, t'as pas cette impression. T'as l'impression que c'est un jeu de course clinique, froid, austère. C'est peut-être aussi dû à sa couleur, mais aussi ses menus. Là, tu vois, ça passe mieux. T'as une petite musique en arrière-plan, c'est coloré, il y a des reflets. Enfin, voilà, quoi. Donc là, pareil, hein, je vais pas vous montrer comment ça se passe. Hein, le mode Forza Vista, ça existe depuis 10 ans. Hop, on revient là. Voiture. Acheter voiture. Et à partir de là, bah tu vois, hein, t'en as une bonne palanquée. D'ailleurs, je me rappelle... dans la découverte de FM8, non, c'est après, mais j'avais
le jeu qui avait planté, mais genre planté, qui s'était coupé, retour au menu principal de la console, dans le menu de sélection des voitures. C'était très cocasse. Et donc du coup, ouais, vous avez vu, hein, y a plein de voitures. Forcément, ce sont que des voitures qui ne vont pas au-delà de 2014-2015. Donc là, ouais, faut pas chercher des nouveautés. Quand t'avais une voiture de 2013, bah tu te dis que ouais, putain, c'est le modèle dernière génération. Maintenant, bah pour en 2023, c'est une vieille caisse, hein, une vieille carrosserie, un truc has-been. Donc là, tu vois, on a tout un tas de DLC, mais tac. Comme les serveurs sont capoutes, on peut plus rien faire. Voilà. Donc là, on peut peindre, améliorer les voitures. Tu vois, t'as moteur, plateforme et tenue de route, chaîne cinétique, pneus et jantes, style et aérodynamisme, conversation. Et puis c'est tout. J'ai l'impression que je suis en train de faire une découverte du jeu. Une découverte test du jeu. Hop. Et donc là, la carrière, bah écoutez, encore une fois, si vous êtes intéressé, vous me le ferez savoir dans les commentaires. On va finir vite fait par une petite course, une toute petite course. On va partir sur une course que j'aime beaucoup. Prague. Un circuit qui vraiment était bien sympa à faire. Et en plus, je crois qu'il y a une route pavée là, comme on voit. Et à la manette, ça rend plutôt bien. Donc là, on va choisir juste la voiture. On va prendre un petit gabarit. J'ai vu que j'avais une Clio. On va prendre la Clio Sport V6 de 2003. Voilà. Hop, on commence. J'ai pas fait gaffe à combien il y avait de tours. On verra ça après. Mais moi, c'est ça que je voudrais dans FM8. Des circuits, pourquoi pas officiels, mais des circuits non officiels. Des trucs vraiment qu'on ne trouverait que dans la série des Forza, que dans FM8. Et je sais pas si c'est prévu. On passe. Non. Voilà, on se met en vue. Cockpit. Et là, on va essayer d'arriver premier. Mais encore une fois, l'objectif, hein, est pas d'arriver premier. C'est juste de vous montrer le jeu. Et en même temps, vous voyez des voitures. Peut-être que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Parce que, bah, vieux modèle. Et des circuits que vous ne reverrez pas de sitôt. Attendez, j'ai mon son. Mon son qui est un peu trop fort dans mon casque et du coup je m'entendais plus parler. Ouais, vraiment le gameplay il est cool. Bon, je l'aime bien. Voilà, c'est pas grave, hein. C'est pas grave. Pas de rewind, hein. C'est pas la peine. Hey! Est-ce que je pouvais faire ce circuit dans le sens inverse? On va voir ça après. Tac. Allez, on les rattrape tout doucement, mais sûrement. Et si il y a moyen de faire ce circuit dans le sens inverse, moi je dis oui. Parce que du coup, on pourrait profiter de très beaux effets de lumière. Là déjà, regardez, regardez. Oh là là! C'est tellement somptueux! Je vous dis, le jeu, tu lui fous un boost de résolution et ça passe crème, quoi. Sachant qu'après, hein, forcément, il faut pas être trop demandant, hein. Genre, j'ai fait une météo et tout, et tout, et tout. Non. Là, quand tu joues FM5, tu pars dans l'idée que t'auras que du beau temps. Mais voilà, quoi. Là, ce soleil bien pétant, là, qui revigore bien l'âme. Y'a rien de tel que de voir un beau soleil bien fait dans un jeu vidéo. Et quand vraiment le soleil est bien fait, y'a un petit côté énergisant, revigorant. Je sais pas si ça vous l'a déjà fait, ça. Le fait de vous mettre devant un soleil bien fait
Et tu sais pas pourquoi, tu sens un frisson dans ton dos là, tu dis ah putain t'es bien, c'est comme si t'avais foutu les pieds dehors, qu'il y avait un beau soleil et que tu prenais la lumière du jour, et que ça te faisait du bien quoi. C'est con hein, mais ça c'est rare hein. Des jeux qui te proposent ce genre de soleil, il y en a pas beaucoup. Lui il pourrait faire le café hein, je sais qu'il y avait aussi le soleil de The Crew le premier je crois, qui était archi bien fait. Oula, je colle un peu trop. Mais là, vous avez vu, hein, je me suis mis en habile. Et en fait, en habile, c'est encore trop facile. Limite, il faudrait que je joue en très doué. Très doué, voire pro. Donc, peut-être pas imbattable non plus, mais ouais. Très doué ou pro. Imbattable, c'est vraiment pour les PGM. Ça glisse tout pas mal, hein. Hop là. Ça glisse tout et le gameplay te permet quand même de récupérer la voiture, de la contrôler dans sa glissade. Chose qui est pas si facile que ça à faire dans FM8. J'y reviens toujours, mais forcément, FM8, bah j'y joue là depuis quelques jours et le jeu officiellement il est sorti hier. Parce que là, en fait, pour ceux qui verront ça à rebours, hein, bien plus tard, hein, FM8, il est sorti là le 10 octobre 2023. Et cette VOD sortira le 11 octobre. 28 jours. Voilà, 24 heures plus tard. C'est bien. Un bon petit viandage là, juste avant de finir. Pareil, hein, pas mal les mouvements de main. Voilà, je vous avouerai que j'ai pas trop de choses à dire d'un point de vue négatif. Le négatif, je vous l'avais dit, pas de cycle météo, pas de cycle jour-nuit. Pas de qualif, mais ça je m'en fous un peu. Les microtransactions, peu de circuits, peu de voitures au global, je crois qu'il y en a eu une 300aine. Enfin, ouais, à peu près 300. Et ouais, puis voilà quoi. C'est, ouais, non. En fait, c'est plutôt le contenu qui pêche. C'est ça qui ne va pas. Bon, par contre, là, on va peut-être pas faire 3 tours. Je veux juste quitter la course et voir si je peux le faire en sens inverse. Donc là, je fais continuer. On va garder la même voiture. Non, quoique, quitte à refaire le même circuit, autant prendre quelque chose de différent. Pourquoi pas la petite BMW série 1M coupée. Donc là, ok. La piste. Je prends Prague qui est là. Et je peux la faire en sens inverse. Alors attends. Par là. Tac. Là, cette course-là ne sert que pour moi. Pour voir si on voit mieux les effets de lumière. C'est vraiment que pour ça qu'on fait cette dernière course. Puis moi qui à la base avais prévu de faire une petite vidéo. Est-ce que j'ai eu... Comment je pourrais dire? La malchance de dire que j'allais faire une petite vidéo au début. Des fois ça me dit tiens bienvenue pour une petite vidéo sur... Et en fait la vidéo elle est pas aussi petite que ça parce qu'on approche à une heure. Là, on approche des 1 heure. Ouais, vous avez vu ça, là? Oh là là! Là, on va avoir le soleil dans notre dos, mais c'est... ouais. Juste après qu'on l'aura bien devant nous. Là, on fait quoi? On fait un tour et demi, puis après, on s'arrête? Merde! Vu que, là, on a le soleil dans le dos... Je peux vous montrer un peu la voiture comme ça. Ouais, voiture, caméra un petit peu trop rapprochée. On va se mettre en éloigné. Oh, ça y est. Vous entendez les pneus? Ça crisse un max.
Ah mais j'aime bien, Là le gameplay je trouve tellement agréable. Avec les paramètres sélectionnés bien sûr. Avec les paramètres de base, est-ce que ça aurait été aussi bon? Peut-être pas. Et le but hein, c'est de faire du gameplay à ta sauce, hein, de bien paramétrer le tout, puis voilà quoi. De prendre du plaisir. Oh, wow, j'ai failli me bouffer le mur, mon gars. Ah, ça crisse, ça crisse, ça crisse. Soleil, soleil. Mais même pas. Oh, la déception. Oh, ben, je m'attendais... Non, ben, écoute, tu vois... J'attendais à avoir plus de soleil. Allez, on finit le tour. Wow, wow, wow. Oh, c'est beau. Oh, c'est beau. Oh, c'est beau. Ah, je regrette pas. Ah, c'est joli. Hein. Ah, franchement. Je suis en plein kiff sur les lumières. C'est un truc de ouf. Allez, on arrête là. Quittez Schlack. Écoutez, les amis, bah, j'espère que vous aurez passé au moins un bon moment bah, sur cette VOD. Hein, j'espère que c'était cool pour vous à retourner dans le passé. Vous me direz, bien sûr, comme d'habitude, vos avis par rapport à tout ça. N'hésitez pas à me répondre aux multiples questions que j'ai pu vous poser au fur et à mesure. Vraiment, lâchez-vous, donnez-moi vos avis, laissez-moi vos impressions, partagez-moi vos expériences, donnez-moi votre avis sur tout ce qu'on a pu voir, tout ce que j'ai pu dire, et puis bah, voilà, je serai très très content de vous lire. Avant de partir, comme d'hab, pareil, le petit like, le petit pouce en l'air, afin de soutenir cette VOD, hein, la chaîne en général, hein, vous savez, tout ça c'est bon pour le référencement. En parlant de référencement, dans le même temps, pourquoi pas partager la vidéo, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et si vous le faites, activez la cloche. Ciao, bye bye.